On est toujours à Strasbourg contre les lois liberticides. La manifestation va rejoindre son point de départ, place de la République, où elle s'achèvera. Là ou à Broglie. On a plus beaucoup de temps pour le train. Le tram C, je crois. Et qui vient de l'étrenage, il va à la gare. Alors là-bas, les cars de police sont garés juste devant la façade principale de l'hôtel du préfet ou de la préfète en ce moment. Voilà, un beau bâtiment du 18e siècle. Les autres gardent le pont de l'Opéra pour qu'on n'aille pas au centre-ville, qui n'est pas loin. Voilà, la 7e manifestation contre les lois liberticides à Strasbourg est en train de s'achever. Elle rejoint le point de départ, place de la République. Tout s'est bien passé.
Le parcours est autorisé, mais certes en dehors de l'îlot insulaire qui est réservé au commerce, aux soldes et en gros au travail, consomme et ferme ta gueule, protégé par la police nationale qui n'est rien d'autre qu'une milice du capital. Alors la semaine prochaine, très exceptionnellement, il n'y aura pas cette manifestation. La huitième aura lieu dans 15 jours, ce qui laisse le temps de préparer, de distribuer des tracts partout dans les quartiers. Par contre, on vous appelle aujourd'hui à vous rendre nombreux et nombreuses à la manifestation intersyndicale et des Gilets jaunes qui a lieu le 4 février. Là, il y a la CGT, Sud Solidaire et les syndicats lycéens, étudiants, Force ouvrière également. Voilà, donc ça peut être une journée importante de grève et de manifestation. Donc le rendez-vous sera ici, le 4 février, c'est bientôt. Bravo! C'est pas une vie que de rentrer chez soi à 6 heures! C'est pas une vie que d'être coincé! C'est pas une vie que d'être coincé dans les cités U où on peut pas sortir et on peut pas aller en cours! Pour les étudiants, c'est une vie pour personne! Ni pour les vieux, ni pour les jeunes! C'est pas une vie sans spectacle, c'est pas une vie sans cinéma, c'est pas une vie sans la fête. Y'en a marre. On était venu pour manifester place de la gare, 13h. Les flics, ils ont fait quoi? Contrôle. Bam. Immobilisation du camion. Est-ce que vous entendez du son? Non. Y'a pas de musique? Même ça, regardez, deux semaines après, on nous a tapé le chat pour poser la musique, manifestation, sans problème, vous voyez, c'est légal, on a un petit peu de dérogation, tout, et là, bam, camion immobilisé, on retourne sous caméra, même pas possibilité de venir, j'ai une ou deux têtes pour poser un petit peu de musique, rien du tout, connard, on nous enferme, comme d'habitude, donc, la répression, à un moment ou à un autre, ça va se payer, que ce soit par rapport à la fête, que ce soit par rapport au travail, que ce soit par rapport aux personnes retraitées, à toute personne, on en a marre, on ne se fait pas assez écouter. C'est tout. On nous frappe là-dessus, ça s'arrête à là. On veut faire la fête, nous, on verra l'autre. Ça va, un peu de musique, ça, pour cette manifestation, ça aurait été bien, ça aurait été joyeux. La fête, pas du monde, du coup, les gens, tout ça. Au final, que dalle. On a entouré de quoi? De gyrophares. Stop. On veut un pays libre, nous. On veut juste pouvoir décompresser tranquillement. C'est tout. Après tout ce qu'il vient de dire, j'ai qu'une seule chose à dire. C'est qu'il n'y a qu'un seul bon système. C'est son système.
que ce n'est pas un corps collectif qu'on nous divise, il n'y a pas de battement, on n'a ni pas nos pères et on meurt. Il voulait immuniser, ça a été 10 ans, ça a été 10 ans en prison qu'on a voulu. De nos jours, un viol sans d'un homme qui ne nous aura même pas condamné, c'est 4 ans. Donc on double ça plus un an. La dégradation, si on dit tout un corps collectif, on dit tout. Si on n'est pas deux, si on ne va pas ensemble, on ne peut rien faire pour le gouvernement. Un masque, on ne peut pas le lire. Les yeux, on ne le lit pas. Les caméras voient, mais on ne le lit pas. Donc, masque ou pas, on est immunisé, on ne va pas mourir. Et le fond, ça va nous maintenir en vie. Et juste après les dernières interventions, prenez dans le même sens. Ce que vous avez tous et toutes compris, c'est que la philosophie politique, si on peut appeler ça comme ça, de ce gouvernement et des capitalistes au service de qui ils sont, c'est l'individualisme. C'est chacun pour soi et qu'il écrase le voisin et la voisine. C'est ça la philosophie politique de ce pouvoir et du libéralisme depuis 1982-1983. On l'a vu avec Madame Thatcher, qui était la première en Grande-Bretagne et qui privatisait tout. Le chemin de fer, par exemple, il y a eu des accidents incroyables à cause de ça, au point qu'ils ont dû renationaliser. En France, c'est pareil, ils s'en prennent à tout. Ils s'en prennent bien sûr aux jeunes qui veulent faire de la musique et danser avec leurs gros sons. Ils s'en prennent aux vieux en réduisant les pensions. Ils s'en prennent aux travailleurs en les licenciant par centaines de milliers. Bref, ils s'en prennent à tous, sauf à la mini-caste qui regroupe quelques centaines de personnes en France et pour qui les dividendes des actionnaires grossissent à mesure que vos poches diminuent de fric. Voilà ce que c'est ce pouvoir. C'est un pouvoir capitaliste. Il faut le renverser, pas seulement en France, mais dans le monde entier. Thank you.